partout dans le monde, le cœur qui chante. D'accord? Alors, je vais observer aujourd'hui mon cours sur la vie pour les Jésus. Alors, d'abord, je vais commencer par la définition d'un sol. C'est quoi un sol? Alors, parmi les constitutions du sol, vous avez la matière minérale.
dans ce qu'on appelle aussi la fraction minérale du sol. Alors cette fraction minérale est composée de fractions grossières, des cailloux, des graviers, etc. Et puis vous avez une fraction fine. Cette fraction fine, elle est biologiquement et chimiquement active. Donc la composition du sol, donc le sol est composé par une fraction minérale. Alors cette fraction minérale est divisée en deux parties. Vous avez une fraction qui est grossière, une fraction qui est fine. Donc la fraction grossière, par exemple, vous avez les graviers, les graviers, les cailloux, etc. Et puis vous avez la fraction très fine. C'est cette fraction-là qui est biologiquement, chimiquement active. Par exemple, lorsqu'on veut faire une numération des micro-organismes, on va la faire dans la fraction fine du sang. D'accord? Bien sûr, qui dit fraction minérale dit fraction. Oui. Qui dit fraction minérale dit fraction organique. D'accord. Donc, parmi les composants du sol, vous avez donc la fraction organique. Et c'est quoi la fraction organique? C'est la matière organique. Donc, c'est la matière organique. Donc, la matière qui est carbonée. Donc, c'est une matière qui est carbonée. Cette matière, elle provient de la décomposition et du métabolisme des êtres vivants, animaux, végétaux et microbiens. Donc la fraction organique, c'est la matière organique, c'est la matière organique, donc il provient de la dégradation et du métabolisme des animaux, des végétaux et il y a deux fractions, la fraction minérale du sol et la fraction organique du sol. Yeah.
Bien sûr, qui dit maintien organiquement immobile, dans le troisième cas, ça va être maintien organique immobile, d'accord? Donc, troisième de catégorie de matière organique, c'est la matière organique immobilier, c'est l'humus, ce qu'on appelle donc l'humus. Alors, c'est l'humus, il est résistant plus ou moins à la biodégradation. L'état final de la matière organique, c'est l'humus. Donc c'est une matière qui est résistante plus ou moins à la dégradation. Il faut beaucoup de temps pour qu'elle se dégrade.
professeur de l'éducation générale, la concentration académique, vous avez donc suivi une formuleur théorique. C'est quoi une formuleur théorique? C'est quoi théorique? Théorique, ça veut dire le sol. Éducation.
Thank you.
voit ainsi que Dieu chimique, donc c'est l'ensemble de transformation cyclique, d'un cycle, qui va l'intermédiaire des végétaux, conduise les formes minérales aux formes organiques. Donc vous avez la forme minérale, et les transformer à la forme organique grâce aux végétaux. Ensuite, par l'intermédiaire des micro-organismes telluriques, qui conduisent les formes organiques aux formes minérales. Donc ça, c'est le cycle biogéochimique. Donc vous avez la forme minérale qui est transformée à la forme organique grâce aux végétaux, puis vous avez la forme organique transformée à la forme minérale grâce aux micro-organismes. Donc il fait
fait une seule réaction, laquelle il transforme l'ammoniac en nitrite. Il transforme l'ammoniac en nitrite. Donc, dans le sol, vous avez des bactéries qui peuvent dégrader plusieurs composés organiques. Il y en a d'autres qui présentent donc une activité très spécifique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent dégrader qu'un seul substrat. Alors, je vous invite à uniquement un exemple de substrat d'autre. Alors, le nitroglycérine, c'est une bactérie qui se trouve, qui intervient dans le cycle de la vie et qui permet donc de transformer l'ammoniac en nitrite. Il y a deux catégories de bactéries dans le sol. Il y en a ceux qui présente un spectre d'activité très large, d'autres ont un spectre d'activité très ciblé. Bien sûr, il y a d'autres exemples, alors je vous donne uniquement un seul exemple pour le chronicral de pseudoglace. Concernant le deuxième plan, vous avez un exemple de nitroglycérine.
Alors le point de départ du cycle, alors il y a le point de départ du cycle de carbone, densément des réserves, gaz carbonique atmosphérique. Alors vous avez le gaz carbonique atmosphérique, sa concentration est constante grâce à l'équilibre qui s'effectue entre les phénomènes de photosynthèse et la respiration. Donc vous avez des processus d'assimilation par photosynthèse. Puis vous avez les processus de production, donc c'est la respiration et la combustion. Donc dans l'atmosphère, vous avez la concentration qui est du CO2 qui est constante. Donc grâce à l'équilibre qui s'effectue entre les processus de photosynthèse et les processus de production. De tampon. Pourquoi? Parce qu'il peut lui permettre de dissoudre le gaz carbonique atmosphérique en grande quantité pour maintenir l'équilibre. Donc les eaux jouent un rôle de tampon. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent dissoudre le gaz carbonique atmosphérique en grande quantité pour maintenir cet équilibre. La source de carbone, le CO2, d'accord? Alors vous avez
transforme le carbone minéral, le CO2, en carbone organique. Donc à la fin, on obtient du carbone organique. Donc c'est l'organisation du carbone. Donc première étape du cycle du carbone. Donc vous avez le CO2 atmosphérique. Il est utilisé par les végétaux chlorophylliens. Il est utilisé par les organismes autotrophes, les micro-organismes autotrophes. Donc il y aura la transformation du carbone minéral en carbone organique. Donc la transformation du carbone minéral en carbone organique. Donc il y a des bactéries autotrophes, par exemple, c'est une bactérie qui utilise l'ensemble de carbone, le gaz carbonique, le CO2. Contrairement à une bactérie hétérotrophe, d'accord ? La première étape du cycle de carbone, vous avez dans le CO2 dans l'air, va être utilisé pour les végétaux et par les autotrophes. Donc ce CO2, ce carbone minéral, va être transformé en carbone organique.
Ça y est, je passe. Je l'entends. Donc, vous êtes efficace car vous dites dans l'atmosphère. Il est utilisé par les végétaux nord-américains. Il est utilisé par les micro-organismes. Donc, ce CO2, ce carbone minéral, il est transformé en carbone organique. C'est ça, la première étape, la respiration. Deuxième étape, vous avez lancé les plantes qui vont être transportées par les virulents, eux-mêmes aussi attaqués par les carnivores. Donc, au cours de cette étape, bien sûr, vous avez des animaux qui vont être soumis, donc il y a également du gaz carbonique. En même temps, vous avez de la matière organique qui coule sous forme de déchets, qui va être transformée et à la fin, il va être
soupes de carbone qui sont apportées au sol, dans les composés organiques, dans le sol, ils vont subir des dégradations, une biodégradation par les micro-organismes pénuriques. Alors, il y a apparition de nouvelles structures moléculaires, il s'agit donc du gaz carbonique ou des composés organiques. Donc, vous avez des substances carbonées dans le sol, ces substances carbonées dans le sol, partie de la matière organique, ils vont être dégradés par des micro-organismes, la biodégradation. Et à la fin, on va obtenir des structures nouvelles, ça peut être du gaz carbonique ou bien des composés organiques. Alors par exemple, on peut obtenir des sucres solubles, donc ils se forment à partir de la cellulose. Le sol, vous avez de la cellulose, lorsqu'il est dégradé, il va donner naissance à des sucres. D'accord ? Un autre exemple, vous avez, on obtient donc des acides organiques à la suite de la fermentation des sucres. Donc les sucres, lorsqu'ils se fermentent en absence d'oxygène, ils donnent naissance aux acides organiques. Alors, quelles que soient ces voies métaboliques, la production, la biodégradation a pour but la production du gaz carbonique. Et s'il y a production du CO2, on parle donc d'une minéralisation de la matière organique. Donc, dans le sol, vous avez donc des composés organiques carbonés. Ces composés carbonés, ils vont être dégradés par des micro-organismes qu'on appelle biodégradation. Et à la suite de cette biodégradation, on obtient donc soit du gaz carbonique ou bien des composés organiques. Alors je vous donne deux exemples. Par exemple, on obtient des sucres solubles de la cellulose. Bien sûr, il y a des sucres dans le sol qui se fermentent en absence d'oxygène. Donc, à la suite de la fermentation des sucres, on obtient donc des acides organiques. Et bien sûr, ils se dégradent notamment divers voies métaboliques. Alors, la biodégradation, il a pour but la production du gaz carbonique, ce qu'on appelle la minéralisation de la matière organique. Thank you.
avez terminé? Par des micro-organismes qu'on appelle les
physique. Et à la fin, il y aura libération du gaz carbonique d'encre, l'étape finale, l'étape la plus importante, c'est le dégagement du gaz carbonique. Donc, dans le sang, vous avez de l'amidon. Cet amidon, il va être, c'est un liquide, il va être dégradé par des micro-organismes qu'on appelle les amylitiques. Alors, comme vous le savez, l'amidon, il est composé de deux constituants, l'amylose et l'amylopectine. Donc, il y a deux composants qui constituent l'amidon, et l'amidon et l'amylopectine. Donc, cet amidon, il va être dégradé par des micro-organismes qu'on appelle les amylolytiques, grâce à des enzymes appelées les amylases. Donc, au bout de la première séance de TP, on va faire donc une numération de ces amylolytiques. Vous allez mettre en évidence les amylolytiques au bout de la première séance. Dans le sol, vous avez une matière organique qui est très variée. On peut trouver des glucides. Parmi les glucides, vous avez des sucres simples, exemple d'exode, le glucose, d'accord. Il va être dégradé par les micro-organismes. Et puis, vous avez également, dans le sol, des polyosides, comme par exemple l'amidon. Alors, cet amidon, c'est un produit qui doit être dégradé par des micro-organismes qu'on appelle les amylolytiques. Et à la fin, on aura donc une libération du gaz carbonique. Alors, par exemple, les micro-organismes atypiques, vous avez le bacille, l'exemple, le bacille qui est le clostridium. Ce sont des bactéries atypiques qui permettent donc de dégrader l'amidon. Et le produit final, donc, il y aura donc un dégagement du gaz de carbone. Donc la matière organique dans le sol, la matière carbonée, qui contient du carbone, avec des glucides, des sucres, des cléosides. Donc, je vais vous donner un exemple de cléosides, cléosides de réserve actuellement. Je vais vous donner un exemple d'un cléoside de structure qui est la cellulose. Alors la cellulose, elle va être dégradée par des micro-organismes qu'on appelle des micro-organismes cellulitiques. À la fin, quand toujours il s'agit d'un polyglucose, à la fin on obtient un glucose, et ce glucose va être dégradé soit par une microfleur aérobie, soit par une microfleur anaérobie. Donc les micro-organismes qui dégradent la cellulose, on les appelle micro-organismes cellulitiques. Alors ces micro-organismes, ils ont une enzyme qui s'appelle la cellulase, qui permet donc de dégrader la cellulose. Alors, je vous donne des exemples de micro-organismes qui dégradent la cellulose. Vous avez des bactéries, le genre Cellulobacillus bacillus clostridium, et il y a aussi les actinomycètes, les champignons, qui peuvent donc dégrader la cellulose. Dans le sol, vous avez donc une matière organique qui est
Donc ces glucides, ils vont être dégradés, soit par une microbleur aérobie, soit par une microbleur aérobie. Donc lorsqu'il s'agit d'une microbleur aérobie, il y aura donc libération du gaz carbonique. Lorsqu'il s'agit d'une microbleur aérobie, donc on parle de fermentation, il y a un dégagement de CO2. Cette dernière diapo en alors quand la matière organique donc, peut contenir des glucides, il peut contenir des substances aromatiques, il peut contenir des constituants hydrophobes, par exemple les lipides. Alors les lipides dans le sol sont dégradés par les micro-organismes, ils vont donner des sangs, donc les stérons et les acides. Donc ils vont contaminer les diverses voies métaboliques. Alors ces lipides, ils sont bien sûr dégradés grâce à des enzymes qu'on appelle les lipases. Alors parmi les constituants hydrophobes, vous avez
Alors sur cette dernière, nous allons terminer le cours d'aujourd'hui. On se retrouve.